Vous voyez dans les films quand ils disent suivez cette voiture, ben nous on l'a fait. On a suivi une voiture pendant 2 jours, sauf que l'expérience nous a un petit peu dépassé. Ce qui devait être à la base une simple filature nous allait dans des coins qu'on n'aurait jamais cru visiter. Faut que tu trouves un endroit où trouver. C'est de la peine. Tous les autres après ont trempé comme l'esprit. C'est la marée haute, faut partir quoi? Ok, là t'es prêt? Ouais, c'est pour une voiture, on dit. Elle, on la désire, on la suit. On la lâche pas dans tout Paris, dans tous les arrondissements, on la suit. Jusqu'au bout, t'es prêt ou pas? Prêt, prêt. Allez, c'est parti, go. On monte dans la voiture, tiens, go. Démarre. La salope! Démarre parce qu'il y en a plein là. La salope! Ça démarre pas? Si, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, il y a de l'adrénaline dans le truc. Ouais. Monte la voiture. Qui va? Allez. On la perd pas. Voilà. Ça me traîne, j'ai envie de voir jusqu'à où on va aller. J'ai l'impression d'être genre dans un film d'action de fou là. Ah là là. Il prend sur la droite, c'est quoi à droite? Ah non, il prend le périph. Ah non, finalement, il prend. Putain, il prend le périph. Vas-y. Voilà, ouais, ouais, là, tu peux me crame. Par contre, il part là-bas. Il y a le camion, mec. Il y a le camion qui. Faut pas le perdre. Il y a beaucoup plus de voitures et tout. Faut pas la perdre, ça va être compliqué. Tu vas, mec? Je sais pas, je me sens mal. Non. Montre. Pour la voie du milieu, ça veut dire qu'elle peut aller vite, mais pas trop vite non plus, parce que c'est la voie du milieu, tu vois. C'est pas non plus la voie la plus rapide. Il slalom. Non. C'est bon, je te regarde. Vas-y. Ça se libère. Je peux la coller un peu là. Rabats-toi, mec. Mais putain, non. Merde. Elle est là. Pas trop. Elle va nous voir. Voilà, on la suit. C'est bon. Tranquille. On se reprend tout à l'heure, les gars. On essaye de voir jusqu'où elle va. Là, pour l'instant, elle prend la route genre de la défense. Hey, salut les pods. Non. Les potes, je voulais dire les potes. Non. Je vais juste faire une sponsor. Allez, c'est parti. Les amis, qu'est-ce que c'est AirUp? AirUp, c'est une technologie qui va vous permettre d'aromatiser votre eau alors que vous mettez rien dedans. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Eh bien, tout se passe par le pif. Je vous explique. Vous avez votre petite gourde. Dedans, vous y insérez de l'eau plate, de l'eau pétillante. Ils ont inventé un récipient où, en fait, dedans, tu mets de l'eau et après, tu bois. En gros, c'est ça le... Non, je bacon. Ensuite, vous allez donc avoir des pods. Il y a plus de 30 saveurs différentes, parmi lesquelles notamment fraises, poires, noix de coco. En ce moment-là, il y a le pack, là, je l'ai ouvert, celui-là. Regardez-moi toute cette abondance de goût. Ça se présente comme ça. Vous mettez votre petit pod sur la gourde, hop, jusqu'à la butée. Là, c'est là que la magie opère. Il est poussé jusqu'au bout. Allô? Oui, qui c'est? Regardez, j'ai mis le pod citron. Regardez ce qui va se passer, vous allez voir, c'est incroyable. Rien. Vous savez pourquoi? Parce que pour que le goût soit activé, je l'enclenche. Hop là, toi aussi je vais t'enclencher. On a littéralement le goût qui vient dans la bouche. Là je vais vous dire un truc, petite confidence, c'est vrai. J'aurais pas accepté l'OP si pour moi c'était nul et que ça marchait pas. Il y a un rush honnête où je teste pour la première fois la gourde. Je voulais vraiment être sûr que ça marche avant de vous vendre un produit. Là c'est que de l'eau là. Attends, c'est dinguerie, ça marche. Alors, on se fout pas de votre gueule ici en tout cas. Tous les pods sont 100% recyclables. Merci AirUp. En ce moment, attention, il y a une offre en cours sur toutes les gourdes AirUp. 15% de réduction avec le code Maxime. Merci beaucoup à AirUp d'avoir sponsorisé cette vidéo. On continue la traque tout de suite. Les gars, on est ressorti un peu de Paris. Ah, juste là, regardez. Ouais, attendez, on va essayer de. On va la dépasser. On va essayer de se mettre à niveau là pour que vous voyez un peu. Sois discret. Je suis discret. Oh, ouais. Il m'a vu, le mec m'a vu. Accélère. C'est qu'on sera oublié là. Ouais. On va passer un petit peu devant, on attend qu'il y ait un nouveau attrape. Je le vois dans le rétro, donc c'est bon signe. Ah, ok, vraiment, là je vais ralentir un peu, je vais me mettre sur la voie de droite. Ok. On vous tient en jus les potes. A tout. Bisous. Il y a de la pression, mec, c'est dingue. Ok. Là, il s'est arrêté face sens. Il s'est arrêté face sens là. On est à Limours, Jean-Brie. On va se garer parce que je crois qu'il est en train de s'arrêter au McDo. Si jamais, ce qu'on fait, c'est que moi je vais chercher à manger, toi tu restes. Moi je le suis. Et tu m'appelles s'il bouge et je reviens vite avec la bouffe. C'est stressant le thème de la vidéo. C'est très stressant, j'aime beaucoup. Et ça filme. Tiens les caps, on est dans l'aire d'autoroute toujours, on vous disait, on est arrivé tout à l'heure. Donc nous on attend devant, la voiture elle est juste un peu plus loin là-bas, on s'est quand même pas mis à côté, on s'est pris des petits cafés. On a peur que lui nous soupçonne, parce qu'après le plan de tout à l'heure avec la caméra dans la voiture, ouais. Si là il nous voit. Donc on s'est un peu écarté, on voit la voiture, on voit que le toit de la voiture d'ailleurs. Le seul petit souci, c'est que ce soir avec Elian, on a un truc sur Paris. Et du coup on va pas pouvoir traîner longtemps, donc on aimerait vraiment qu'il arrive à destination et qu'on réussisse l'objectif sans qu'il nous crame. On vous tient au courant. Nous faire l'essence. Je me suis mis du café partout mec. Tiens. Oh, merde, moi aussi. Non. C'est la merde. Non. Attends, ça y a plus de vidéo là. Il y a plus de vidéo. Et hey, tu regardes dès qu'il rentre dans la voiture, on attend un peu, on démarre. Là, c'est le moment où faut pas le perdre. Attends, je te dis, rentre dans la voiture. Ok, c'est good, il démarre. Vas-y. Ok, le
les potes, bah du coup c'est un peu pour vous tenir au courant. Là c'est on a repris la route, le type nous a pas grillé. Franchement il avait même pas l'air sec genre quand il est sorti. Il a pas trop regardé dans notre direction. Ouais non. On vous reprend quand on a des nouvelles. Vous les potes, on a laissé un petit peu de distance à la Mégane. On voulait pas qu'elle se doute trop non plus parce que. Ah, donc là mec il faut juste que tu prennes à gauche. Non par contre c'était à droite. Non c'est littéralement à gauche mec. Elle est vraiment partie. Non frère, elle est partie à droite, par contre vraiment je l'ai vu partir à droite. Elle a mis à droite direct. Combien de degrés? Non, ayant semé. Elle est partie. Non, on commence pas à faire. Elle est partie à gauche. On est partie à droite, comment on va faire? On est baisé. Je suis trop tente. Mais justement, non, c'est à droite, Elian. Je l'ai vu partir littéralement. On va dire mieux que ça. Non. Elle l'a pris à gauche. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Fais-moi à gauche. Si elle est pas là, écoute-moi bien. Le concept est foutu en l'air si elle est pas partie à gauche. Elle est partie littéralement à gauche. Elle est partie à gauche. Elle est partie à gauche. Vas-y, elle est où? Elle est où? Elian, dis-moi, elle est où? Je t'avais dit que c'était à droite. Tu me dis à gauche, regarde où on est. Et je me dis qu'il y a une route, peut-être que la voiture est la plus. Mais Elian, regarde la route. Monte la route. Vas-y, monte la route que tu dis. Elle est là, la voiture, elle est là alors. Bah vas-y, elle est là. Elle est là. Non, mais c'est bon, elle est là. On y va. Allez, on y va. Comment ça? Voilà, la route, elle est là. Je l'ai vu prendre à droite. C'est moi qui t'ai dit à droite. Tu m'as dit à gauche, toi. Tu m'as dit à gauche. Non, je t'ai dit à droite, Elian. À droite, moi aussi. Arrête, arrête, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. On a les rushs. Putain, regarde où on est, frère. De toute façon, moi je pars pas tant qu'on l'a pas trouvé. Là on finit la vidéo. On finit la putain de vidéo mec, je te le dis. Impossible qu'elle soit allée là frère. La route elle est là-bas. Non, ah non non, par contre la route quasiment sûr qu'elle est vers là-bas là. La route est vers là-bas. Là-bas, Elian. Attends. Là, d'accord. Regarde. On est arrivé de là. Vraiment de là. Non, on est arrivé de là. Je te parle même plus de retrouver leur voiture. Mais on vient de là. De là. Non, on vient de là. On vient de là. Maxime Oh frère! T'as fait une arrêt de vie, j'ai perdu, je te gêne! Je suis désolé! Pareil, je vois comment! À moi, je pensais que t'es parti d'un côté, j'allais! Dis pas toi! Il faut qu'on retrouve la vegan! Je vais faire ma vidéo YouTube! Faut que je fasse ma vidéo YouTube, mec! Toutes les Mégane grises que je vois, je me dis c'est peut-être elle. Après je vois c'est pas le bon gars. On est combien de Paris là? Rennes c'est quoi? C'est... Je sais pas où c'est. Ça fait 2-3 heures qu'on roule. On a pris à droite finalement, on est revenu sur nos pas. Putain, attends, là-bas. C'est quoi? C'est elle? C'est elle? Non putain c'est pas elle, c'est pas elle. On a annulé le truc qu'on avait sur Paris. C'est vraiment un truc qu'on devait faire quoi. Une grosse OP hein. Ouais. Faut qu'on soit transparent, c'était une grosse OP avec vous. Enfin, pour vous, mais plus pour nous au niveau de l'argent quoi. C'est vraiment plus nous qu'on aurait gagné de l'argent, vous auriez peut-être. Faut qu'on trouve un endroit où dormir. On s'en fout de la voiture. J'ai froid, je vais dormir. J'en peux plus. On continue la route. On est en Bretagne. On est en Bretagne. Je sais qu'on en va. Navo. Ça veut dire calme-toi. Il est 23h15, les gars, on a la dernière fois qu'on a vu, c'était à 14h. À 14h. Calme-toi, dormir. Premier truc. Fais voir la noire du tertre. C'est une chambre d'autre. Vas-y, viens, on t'arrête pas. Regarde, y'a des voitures. Ok. Détente. J'ai vu, on est sauvés. Ma situation, je suis en train de tourner une vidéo pour YouTube avec Elian où on partait en Bretagne faire une connerie, bref on s'en fout, et on voulait dormir dans un endroit un peu bizarre ce soir, mais genre plus en mode dans une ferme quoi. Finalement on n'a pas trouvé, mais on a trouvé un manoir du Tertre. Vous pouvez aller chercher sur internet du coup parce qu'il y a plein de jolies histoires dessus, moi je savais pas. Et quand on vient avec le gars, bon, une fois qu'on a des caméras, le gars qui nous accueille, et il nous dit vous venez pour tourner du paranormal? Et nous on dit bah non, pourquoi? Je dis, ah non ok, comme ça et tout. Du coup je lui demande pourquoi, et en fait il m'explique que c'est un haut lieu du paranormal ici. C'était le haut lieu du paranormal ensuite, ici. Que la propriétaire était une grande médium que tout le monde passait voir, qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais que maintenant ça y est c'est fini, y a plus rien du tout. Et maintenant on va aller au médium français du bord de la fièvre. Et là je vais prendre un petit deuil demain. Bon, tiens tout à l'heure. C'est ici qu'il y a une chicotte de Dan Brown là. L'histoire des... La propriétaire de Manoir qui est mariée à mon meilleur pote. Okay, elle a 40 ans, elle. Ça s'est mis à bouger tout à l'heure, personne va me croire, mais. On était clairement face à Manoir. Oui, voilà, mais bon, voilà, sachez. C'est une histoire sur le tableau. Il faut qu'on montre le tableau. On va montrer vite fait le tableau. Il y a écrit que la nuit, la propriétaire sort du tableau. Ah bah, c'est lui. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Si on veut aller manger, nous brosser d'aller. Le comble se fait, c'est le restaurant solide de brosser d'air. C'est super. Ah ouais, vraiment.
vraiment. Super. On s'est régalé, on a fait des bonnes rencontres. On a fait tout un régiment de. Ah bah ouais. Toute une section. Ouais. Vas-y, teaser, je prendrai une teaser. Tu nous accompagnes. On va parler doucement parce qu'ils sont prêts. Yuri, je veux même pas en parler, son regard c'est un truc trop bizarre. Ouais, c'est abusé. Est-ce que tu as. Oh la vie de ma mère. Frère, par contre, on est trois là. On est trois. On est trois. On est littéralement trois. Je l'ai même pas dans la vidéo parce que j'en ai pas de quoi. Madros, je le jure. Putain de vie de ma mère. La vie de ma mère. On est monté, il y a quelqu'un qui est monté avec nous. C'est pas en mode parce que c'est hanté. Il y a quelqu'un qui est comme se rapprocher. Comme quelqu'un monté. C'est une dinguerie, frère. C'est une Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça en fait. Tuber et puis aussi sur Twitch, hein, une autre plateforme en direct. De temps en temps avec Elian, donc on s'amuse à soit partir dans un hôtel, soit partir dans un truc. Et puis le hasard fait qu'aujourd'hui on est ici. Pour le montage, ce qu'il faudrait faire, c'est on envoie les rushs à Matros. Oui, ben, c'est un type, il y a eu une attaque de démon ici il y a plus d'un an. Une attaque de démon ici ? Ouais, oui. Comme ça, derrière, on est tranquille. Et là, il est revenu il y a 6 mois pour avoir la même attaque. Parce que c'était un démon succube. Succube ? Alors les incubes, c'est les démons qui prennent une forme masculine et succubes féminine. Un démon n'a pas de sexe, donc il prend la forme qu'il veut. D'accord. Putain, faut que quelqu'un me vienne en aide. Pourquoi vous y êtes ? Ah, vous l'avez entendu ? Il fait son footing maintenant. Toc ! Une rencontre. J'aurais pu ne jamais revenir. Ah oui. La première fois, c'est par hasard. J'ai l'impression que quand on le cherche, on ne va jamais trouver. Des gens qui cherchent et qui trouvent que des gens qui cherchent et qui n'arrivent pas à trouver. Qui n'arrivent pas à trouver, c'est qu'ils ont une véritable protection. Mais ici, je les vois tous, hein, la terre entière. Un élu est plus hanté de France. Je crois que j'ai une bonne étoile, moi. Parce que j'ai eu beaucoup de manifestations dans ma vie. Il y a plus de vidéos là. Ça sent le démon. Vous savez combien il y en a ici ? De quoi ? Des âmes ? Aucune idée. Vous savez pas ? Je suis obligé. Tu prends la bourre des robes, tu prends pas pour les éloigner parce que là il y a une odeur. Tous les autres un peu ont trempé dans le spiritisme. D'accord. Sans expliquer. Vous pouvez plus nous atteindre, dit mon pote. Et ça. Mec. Quoi ? Hello. Bigo, la filature, la voiture, on a combien de mobilier ? On est arrivé, on a zappé. La quoi ? Le concept de la vidéo. Mec, comme toi, j'ai une thèse. Je connais un endroit, je connais quelqu'un, tu peux aller voir et je suis sûr qu'il va pouvoir nous conseiller. Ça fait 24 heures. Fais-moi confiance, il va nous aider. Il va nous aider, on va aller voir. Viens, on prend la route, on va le voir. J'espère juste qu'on le dérange pas trop. Ok, c'est là. Non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, mec ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est où, mon frère ? C'est mon pote, c'est mon... C'est un ami d'enfance que je fais. Tu parles de Merlin ? Merlin l'enchanteur ? Mais il est mort, mec ! Ça fait de la peine, en vrai, ça fait de la peine. Je suis désolé, je me suis un petit peu laissé emporter par Max, je te jure, frère. Je suis désolé. T'inquiète, je savais pas que t'étais autant attaché à... La Mégane est à Saint-Malo. La Méganus est à Saint-Malo. Le roi Merlin. Maxime, c'est toi ? C'est toi ? Oui ? C'est toi là ? Attends, mec, tu peux pas faire ça ! C'est pas ce qui vient de se passer là ? Non. Tu as touché ! Mec, t'es un passeur, t'es un messager, t'es un truc comme ça là, t'es un passeur. Ah, t'es vrai ? Ouais. Qu'est-ce qu'il a... Elle est où la Mégane ? Il a dit Saint-Malo. Saint-Malo, Mégane. Saint-Malo. Saint-Malo. Okay. On va à Saint-Malo. Ok, on trace. Ok, on a repris la route et let's go, du coup, Saint-Malo. Et apparemment, c'est Merlin l'enchanteur qui lui a dit... C'est mon gars Merlin. Que la voiture était là-bas, peut-être qu'après on va trop loin dans la filature, je sais pas, mais... Je pense pas. Je vérifie mon angle mort. Kenavo, mon gars. Quoi ça, Kenavo ? Mais Kenavo, là, tout là. Ah, regarde, tu veux dire ? On est arrivé à Saint-Malo, les gars. Yes, let's go. C'est simple. Une Mégane. Riz. On a eu une petite baisse de morale quand on était au manoir et tout, parce qu'on s'est dit on trouvera jamais la Mégane. Mais là, vu que Merlin il nous a parlé, je pense qu'on va faire un peu tout le truc. On va essayer de trouver ça. Ouais. Ça va être réglé en 10 secondes. Let's go. Allez. Let's go. Vas-y. Salut, ciao, les gars. Salut. Toi, t'es avec nous, toi. Comment ça ? Bah, t'es de Bretagne, toi.
Bah non, enfin pour moi. Non, il est pareil. C'est la première fois comme moi, ouais. Lyon, c'est breton. Et Lyon, c'est breton. Ouais. Lyon. Grosse Liande et tout. Ouais. Si, ouais. C'est ça, dans ce côté. Ouais. T'as pas des. Attends, c'est trop marrant. Bon mec, putain. Donc j'ai un prénom breton, quoi. Dan, Evan, Estelle, Mini, Ethan, Enzo. Quoi, quoi. On doit chercher la voiture. Attends, attends, vraiment. Kenavo. Eliane, Eliane. Eh ben non, eh non. Je vais demander pourquoi elle prend mon prénom. Mec, on doit chercher la voiture. Ça, c'est le meilleur canavo de la région. Mec, mais non, c'est un truc de fou. Les gars, je vous jure, c'est un truc de fou. Laisse-moi vivre mon truc. Mais mec, on doit chercher la voiture. Mais j'en ai plus rien à foutre, la voiture, ça, tu crois pas? Je vais regarder un petit peu, mec, le cordage, tout ça. Tu... Ça me régale. Regardez-le. Non mais là, non mais j'hallucine, frère. Ça y est, il croyait breton. Regardez. Non, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il a amarré le. J'ai fait un deux chaises. Il n'y aura pas la voiture ici, c'est impossible. C'est vraiment l'heure parfaite pour la marée basse. Il faut juste que tu comprennes que tu enlèves tes chaussures là. J'ai besoin de me sentir plus proche de. Vas-y, à l'envers. Alors pour un breton. J'en peux plus, les gars. Je sais pas comment. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là-bas. Je l'ai jamais vu comme ça. C'est un truc de fou. T'as pas le droit de toucher, d'accord? Au bout d'un moment, pose la cam, frère. On est parti 3 jours à la base, c'était pour. Voilà, il est parti, je sais pas ce qu'il fait. Quoi? C'est la marée haute, faut partir. Quoi? Non, bah, c'est pas la marée haute, c'est pas la marée haute! Mais tranquille, quoi. Kenavo! Je sais pas si on va y arriver, mec. Tranquille. Je vous connais dès le rivage. Ça va, on y est, on y est. Est-ce que tu peux descendre d'ici, s'il te plaît? Tu vas te faire mal. La marée arrive! Oh. Je vais devoir t'aider, je peux plus avancer. Mais c'est bon, t'as plus besoin d'avancer là, donc C'est chiant. Je sais même pas quoi vous dire. Elian a décidé de rester en Bretagne, moi je suis comme un con, je suis dégoûté. Elian, s'il te plaît, reviens. Non mec, les côtes anglaises m'attendent, mec, et je préfère Kenavo. On se verra plus jamais. On s'enverra des cartes postales. Non mec, sérieux, tu peux pas me laisser comme ça. On devait faire la vidéo YouTube. Bisous Max. Mec, la vidéo YouTube. Bisous Max. Ok, mais moi aussi. Je suis désolé. Re à tous. Bon ben voilà, moi je suis rentré à Paris sans Elian. J'ai pas trouvé la Mégane. J'ai cherché partout. Merci à Europe de nous avoir permis de faire cette vidéo. C'est grâce à vous. Merci à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Vous avez pas le droit d'être là. Merci. Vous allez sortir d'ici. Non. C'est à nous.